bienvenue dans Asphalte. Nous avons décidé cette fois-ci d'aller du côté de l'arrière-pays niçois. Nous sommes au célèbre Col de Brosse pour l'essai d'un SUV tout en élégance. Voici le sommaire. Nous découvrirons un concept car aux allures futuristes et pourtant elle incarne la 504 d'antan. La transition énergétique n'effacera donc pas 120 ans d'histoire automobile. Zoom sur e-légende de chez Peugeot. Et pour l'essai du mois, la Mercedes GLE AMG qui propose une ténacité issue d'un luxe sophistiqué et personnalisé. Aujourd'hui, dans Asphalte, vous l'aurez compris, le Mercedes GLE. Ah oui, il est superbe. Moi, je me rappelle avoir eu un Mercedes ML, qui était un petit peu la base de l'histoire des GLE. Il faut savoir que c'est l'inventeur du SUV, quand même, Mercedes. Et finalement, on retrouve cette version dans sa quatrième génération, quand même, hein, avec ce côté plus imposant, bien on sûr. Le voit, avec un niveau de technologie supérieur, on va en parler d'ici quelques instants. Bien sûr. Et côté design, rien à dire. C'est vraiment beau. Puis rien à dire. C'est un beau bébé. Hein. Oui, quand même. Quand même, hein. Hein, avec des roues de très très gros diamètre. Et puis là, le look AMG, donc, hein, l'option, donc c'est vraiment superbe, la belle couleur qui va bien. Bon, si vous avez compris la thématique d'Asphalte aujourd'hui, eh bien, vive l'aventure. C'est ça. Ben, je vais y aller, je vais faire la moto trial, Vanessa. Oui, c'est ça, je m'en occupe. Allez, vite. C'est parti. En 1997, Mercedes lançait le ML, le premier SUV de luxe des constructeurs allemands. Aujourd'hui, la relève est assurée avec le GLE. Des courbes séduisantes, tracées et sûres de lui, le SUV dispose d'une posture agressive qui révèle une personnalité profonde comme le promet l'étoile de sa calandre. L'habitacle, généreux et spacieux, peut accueillir 5 personnes en grand luxe. La planche de bord est beaucoup plus épurée que l'ancienne génération. Le toit ouvrant panoramique permet de respirer l'air libre. Les sièges électriques à l'avant permettent, quant à eux, de concocter une posture de conduite faisant un peu oublier la nature surélevée de l'engin. Avec des normes d'émissions de CO2 de plus en plus drastiques, notamment en Europe, Gilles, concevoir un gros SUV tel que celui-là tient vraiment du casse-tête, on peut le dire. Oui, on le voit, c'est vrai, toutes les marques essayent de se mettre en avant quand même, puisque le segment du SUV, du 4x4 SUV est en pleine expansion, mais c'est vrai qu'on a tendance à être freiné par toutes ces normes draconiennes. Maintenant, on va voir quand même que les engins ont évolué et je pense qu'il y a quand même des qualités et je pense que ce Mercedes-là a vraiment une place dans le segment automobile aujourd'hui. Il y a quand même énormément de déclinaisons, hein, que ce soit en matière de diesel ou d'essence. On s'y perd. On arrive vraiment à s'y perdre. Il y a le 350, après il y a les autres. Donc là, on va dire qu'on est en milieu de gamme au niveau motorisation. Oui. Nous sommes dans un 4 cylindres. Hein, évidemment, qui est nouvelle génération, donc
les performances sont accrues. On en revient toujours à cette notion d'environnement. Tout simplement. Donc un 4 cylindres avec des performances similaires aux anciens 6 cylindres, puisque là on a quand même 180 mètres kilonewtons de coupe, ce qui est beaucoup pour un 4 cylindres, de 2 litres, hein, 1950 cm cube je crois. Et bon, ben on a un engin qui, c'est vrai, est quand même très lourd, mais le moteur est vaillant. Et ça reste un 4x4. Il correspond, il fait bien son rôle. Les améliorations AMG exclusives engendrent une puissance racée. Avec sa turbocompression impressionnante et son échappement sport, le GLE optimise réellement la puissance motrice. Alors, bien évidemment, une transmission intégrale permanente, ça c'est bien de le dire, et tous les GLE, notamment en France, reçoivent finalement la suspension pneumatique hermatique qui permet non seulement d'ajuster la garde au sol, mais également de proposer deux niveaux de fermeté, et ça, c'est un plus. Oui, c'est vrai que je pense que dans ce segment, Mercedes est vraiment en haut de l'affiche hein, avec cette nouveauté, donc, comme vous l'avez très bien précisé Vanessa, et aujourd'hui cette suspension est vraiment très active et très intelligente, on va dire, puisque nous avons une séparation des quatre suspensions avec chacune donc un travail isolé pour pouvoir correspondre à l'amortissement, à l'adhérence, à son rôle en fait, mais les quatre ne sont pas du tout liés. Train de roulement actif met l'accent sur la sportivité et le confort selon le mode enclenché, la fonction d'inclinaison dans les virages et le système de reconnaissance de la surface de la chaussée assisté par caméra contribuent à une conduite sereine. Nous allons à présent vous dévoiler le concept car e-légende. Écoutez bien Gilles, il ressuscite la 504. Et oui, activement tourné vers l'avenir, il est signé Peugeot Sport. Regardez. Un avenir optimiste et ultra désirable. Voici ce qui caractérise ce nouveau concept e-légende de chez Peugeot. Le choix de sa silhouette emploie des codes très modernes, un gabarit et des proportions tout à fait réalistes. L'idée étant de réinterpréter le fameux 504 coupé avec une ligne légère et athlétique ainsi qu'une cabine arquée vers le train arrière bénéficiant de larges parties vitrées. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le concept car, donc Peugeot et les Legend Concept, est parfaitement tourné vers l'avenir. Mais nous avons puisé dans notre ADN de marque pour mélanger une partie de notre héritage et toute la technologie que nous aurons demain dans nos véhicules. Quatre modes de conduite sont proposés sur e-Legend. Le constructeur veut aujourd'hui approfondir et préciser l'expérience du 100% autonome, électrique et connecté. Cette vision, donc, c'est la vision de ce que pourrait être la conduite autonome vue par Peugeot. Et ce que l'on pense, c'est que dans le futur, la conduite autonome que l'on pourra créer, inventer chez nous, chez Peugeot, ce sera une expérience extrêmement sensorielle, extrêmement enrichissante. Et c'est ce qu'on peut voir à travers les matériaux, notamment à l'intérieur, ce velours ou ce bois. Ce concept car est une pièce unique, mais rien n'interdit de voir un jour ce véhicule sur nos routes. Gilles, au final, un SUV comme nous les aimons, très bon confort, excellent franchissement, que dire de plus? On apprécie. Ben c'est vrai Vanessa, vous avez tout dit, un véhicule évidemment qui est pile poil dans les exigences de la catégorie et qui reste au top niveau dans tous les domaines puisque on ne pollue pas trop. On a quand même des performances sympas, la consommation est très raisonnable. On peut sortir des chemins classiques pour aller se balader dans des petits chemins de terre avec un peu de franchissement. On a un confort exceptionnel, on a vraiment tout dedans, avec la commande vocale aussi, évidemment. Ah oui, elle parle, ça elle c'est parle, important voilà, de le dire. Elle vous répond. Et quoi dire d'autre, on est vraiment dans la digne
inventeur et de la succession de Mercedes, des légendaires ML. À noter qu'une version hybride rechargeable est prévue cette année et annoncée à 100 km d'autonomie en tout électrique, ce qui constituerait un record pour le segment. Gilles, c'est terminé. Merci beaucoup en tout cas pour cet essai. Très merci sympa, hein, très sympa le tout-terrain. Ah ouais, j'ai vous bien appréciez aimé. Quand même. Et puis oui, et puis je vais pouvoir repartir avec deux roues cette fois-ci. Ah oui, vous sortez vite parce que je reprends la bête. Hein. Pour continuer ma journée. Quant à nous, on se retrouve évidemment le mois prochain. Merci d'avoir suivi ce 71e numéro d'Asphalte. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel essai. À très vite.